frères, sœurs et amis, à nouveau nous avons l'opportunité et la grâce de la part du Seigneur de nous rencontrer ensemble pour ce temps de louange et d'adoration, un culte que nous voulons rendre ensemble à notre Dieu. J'ai presque envie de dire un culte familial puisque nous sommes tous ses enfants et qu'il nous a réunis en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, prions ensemble et remettons ces temps entre les mains du Seigneur. Mon Dieu, nous te louons, te bénissons. Nous te rendons grâce parce que nous reconnaissons que ce jour nouveau que tu nous offres, c'est un effet de ta grâce. Tes bénédictions, tes bontés, tes grâces se sont renouvelées encore pour nous en abondance. Et nous voulons en être conscients et te remercier, t'être reconnaissant, t'adresser des actions de grâce pour cela, ô Dieu. Dans ces temps et dans ces moments, nous voulons te bénir, te louer, t'exalter, te célébrer. Lave nos mains, purifie nos cœurs alors que nous nous approchons de toi, afin que nous puissions vraiment, ô Dieu Tout-Puissant, t'apporter une offrande qui te fasse plaisir, que tu agresses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois au centre et que tu sois élevé, glorifié, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Alléluia. Nous voulons t'offrir ce culte de louange et d'adoration. Alléluia. Nous venons dans tes parvis et nous te célébrons, Jésus. Alléluia. 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 Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Viendrons louer notre Dieu, car il est grand et glorieux. Il est élevé à jamais, règne pour l'éternité. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est grand et glorieux. Il est élevé à jamais, règne pour l'éternité. Sous son trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, oh, oh. Que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ. Que tous les peuples de la terre, que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité. Proclamer sa majesté, nous élèverons nos voix, honorer le roi des rois, et adorer d'un même cœur, Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 oh. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est grand et glorieux. Il est élevé à jamais, règne pour l'éternité. Sous son trône de sainteté, oh, et de vérité. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ. Que tous les peuples de la terre, que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père, chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ est notre Seigneur. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh,
Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Gloire à toi, Jésus. Loué Adonai, le Dieu tout-puissant et redoutable, celui qui est trois fois saint. Devant lui, les anges s'écrient saint, 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 le Seigneur, qui est semblable au lion, à l'agneau. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nul n'est comme toi et semblable à toi, Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, les monts s'inclinent, l'océan rugit. Qui est semblable? Qui est semblable? Reprenons ça. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône? Les monts s'inclinent, l'océan rugit, devant le Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône? Les monts s'inclinent, les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur, devant le Seigneur. Loué, loué, loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Alléluia, Jésus.
Alléluia, Seigneur. Tous les anges et tous les saints te louent. Nous voulons encore chanter à ton attention, gloire, Jésus. Gloire, Seigneur, parce que tu es glorieux. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Et c'est en toi que je suis parfait, Jésus. Alléluia. C'est par ta grâce que tu m'accueilles dans ta présence. C'est par ta grâce que je suis debout et que je respire. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Alléluia. Par le moyen de la foi en Jésus, je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si difficile, chanterai gloire à l'éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu mon essentiel, chanterai en l'honneur. Je viens t'offrir, je viens t'offrir. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu. Seigneur, je viens. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Notre bel avenir. Et même si difficile. Je chanterai gloire à l'éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu mon essentiel, chanterai en l'honneur de Dieu. Je chanterai gloire, oui, à l'éternel. Chanterai louange à son nom. Chanterai Dieu, mon essentiel. Chanterai en l'honneur toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. De ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, j'aimerais, je redirai que tu as payé
Bonjour à tous. Après avoir eu ce temps avec Dieu, un temps d'adoration, de louange, nous avons pu ainsi louer et adorer le Seigneur. Sans plus tarder, faisons une lecture dans le livre des Rois, dans 1 Roi chapitre 3 et au verset 3. 1 Roi chapitre 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur avec toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, ce que tu demandes, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Amen. Dieu fit à Salomon une faveur exceptionnelle. Quand Dieu lui dit au verset 5, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Quand Salomon s'est couché cette nuit-là, il ne pensait pas que Dieu puisse ainsi se révéler à lui, que Dieu aurait pu de cette manière le visiter. Il ne s'attendait pas à une telle visitation du Seigneur. Dieu lui apparut en songe avec une offre de grâce suffisante pour tous ses besoins. Demande ce que tu veux que je te donne. Premièrement, la demande est celle du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu nous pousse à demander. Qui l'adressait?
Qui était celui-là qui s'adressait ainsi de manière personnelle à Salomon? C'est le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, celui qui est au-dessus de toutes choses. Alors que devait être la réponse de Salomon? Qu'allait-il répondre? Remarquez que Dieu savait fort bien ce que Salomon aurait répondu. Car dans le psaume 139, versets 1 à 4, David déclare, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. » Dieu est omniscient. Dieu connaît tout de toi, tes actes, tes paroles, tes pensées. Que tu en sois conscient ou pas, ils sont tout. Toute ta vie, il l'a déjà enregistré. Dieu connaît toute ta vie, rien ne lui échappe. Si bien que David déclare au verset 8 du psaume 139, « Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » En quelque sorte, David a prouvé que Dieu le connaissait parfaitement. Dieu sonde les cœurs. Il éprouve le cœur. Il sonde les reins. Si bien que la parole, même si elle n'est pas encore arrivée sur tes lèvres, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Il sait tout et rien ne lui échappe. Demande ce que tu veux que je te donne. Dieu prend toujours un risque, mais un risque calculé. Il n'est pas comme Hérode qui, en voyant danser la fille d'Hérodias, va s'engager pour promettre avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait, même si cela devait être la moitié de son royaume. C'était un serment insensé, public, qu'il était obligé de tenir. Et à cette demande, Hérodias répondit dans Marc chapitre 6, verset 25, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Deuxièmement, la réponse à la demande peut être insensée, ignoble. C'était une réponse ignoble, insensée, diabolique, cruelle. Remarquez, dans Marc chapitre 6, versets 24-25, ce que la Bible dit, Marc chapitre 6, versets 24-25. Et étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » C'était une demande pour assouvir la haine de sa mère, une demande méchante et adultère, car elle en voulait à Jean-Baptiste. Comment trouver du bon dans un cœur mauvais, méchant, incrédule, qui s'oppose à Dieu, rempli de fiel comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas? Saul, ce violent, ce persécuteur, un blasphémateur, il est présenté comme un fanatique religieux. C'était aussi un bagarreur. Celui-là même a été arrêté dans sa course folle par le Seigneur Jésus-Christ. Sa propre volonté a été brisée, jugée, celle du Seigneur acceptée. Alors il devient un autre homme, avec un cœur nouveau, repentant. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Troisièmement, Dieu pardonne le pécheur, change son cœur quand la demande de celui-ci est celle du repentir. Celui qui se repent de ses péchés n'impose pas au Seigneur sa volonté. Sa demande est celle du repentir. Dans Actes chapitre 9, verset 6, on voit ici Saul exprimant sa demande en disant au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ?» Il n'impose rien. Il ne se justifie pas. Sa mentalité a donc changé.
Avant, c'était lui qui faisait. Maintenant, il laisse faire le Seigneur. Il ne met plus en doute ce que le Seigneur dit. Sa demande n'est pas faite de conditions. Sa demande n'est pas sujet à discussion. C'est pourquoi Jésus a déclaré, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La conversion est un demi-tour, vers Dieu. Le mot grec signifie littéralement se tourner. C'est le fait de se tourner vers Dieu. Et quand quelqu'un est honnête avec Dieu, il s'interroge, il s'arrête et se demande si le chemin qu'il a emprunté est bien celui du Seigneur, celui qui conduit, celle qui conduit à la vie éternelle. Le chemin, le bon, c'est Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est pourquoi le psalmiste déclare également au psaume 119, verset 40, le psaume 119, verset 40. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Dans la version français courant, mon vrai désir, c'est de suivre tes exigences. Puisque tu es juste, rends-moi la vie. Mon vrai désir est de suivre tes exigences. Quand Dieu interpelle Israël, son peuple, quand Dieu ainsi parle à son peuple, dans le livre du Deutéronome, chapitre 10, verset 12, il lui dit, Deutéronome, chapitre 10, verset 12, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Quatrièmement, la demande est faite d'exigences. Quelles sont ces exigences? Premièrement, Dieu te demande vis-à-vis de lui une crainte fidèle. Deuxièmement, de marcher dans toutes ses voies. Troisièmement, de l'aimer et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Quatrièmement, une volonté soumise, car on peut choisir sa propre voie et sortir du plan et de l'approbation de Dieu. Oui, les exigences du Seigneur sont telles qu'il ne marchande pas avec sa parole. Il ne change pas pour faire plaisir. Il ne change pas sa parole. Il ne la modifie pas pour quiconque. Il y a certains, tout en lisant la Bible, font un tri, acceptent certaines paroles du Seigneur, celles qui leur conviennent et rejettent le reste. À tel point que dans Jean chapitre 6, verset 60, beaucoup de ses disciples qui écoutaient Jésus déclarèrent, après avoir reçu un enseignement sur la scène, ils vont dire « cette parole est trop dure ». Ils vont ajouter, qui peut l'écouter? Qui peut être d'accord avec toi? Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Alors Jésus demanda aux 12 disciples, dans Jean chapitre 6, verset 67, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Oui, si le Seigneur te reprend, ce n'est pas pour t'accabler, c'est pour ton bien. Si la parole de Dieu te met mal à l'aise, c'est pour ton bien. C'est pour te faire comprendre que tu es en désaccord avec elle. C'est avec raison que l'épître de Jacques déclare dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Cinquièmement, vous demandez mal. Pourquoi? Remarquez que tout désir n'est pas nécessairement mauvais. Mais si ce désir n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, alors le péché se manifeste, car péché, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu dit, de ce que Dieu prescrit.
On voit David, pour satisfaire un mauvais désir, commettre adultère, meurtre, pour arriver à ses fins. Vous tuez, dit Jacques, par ton comportement, tu peux faire périr ton prochain pour lequel Christ est mort. Alors n'exprime aucune demande à Dieu, aucune requête si ton intérieur est mauvais. Dieu dit, est-ce pour satisfaire tes ambitions, tes désirs pernicieux que tu demandes, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Le remède, c'est quoi? Comment être dans les conditions pour recevoir? Jacques nous donne la solution. Jacques chapitre 4, verset 7 déclare, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Si nous nous approchons de Dieu avec dépendance, avec vérité, avec sincérité de cœur, avec un cœur purifié, avec soumission et foi, alors il nous écoute. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Le Seigneur veut que tu sois trouvé comme Salomon pour te visiter. Il veut te visiter. Il faut ainsi être comme Salomon, dans les bonnes dispositions spirituelles, pour être ainsi être visité par le Seigneur lui-même. C'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Il te faut prendre de bonnes résolutions. Il te faut vraiment, véritablement, te tourner vers le Seigneur. Il faut lui faire entièrement confiance et t'appliquer à marcher dans toutes ses voies. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5, la Bible dit, « À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Dieu lui apparut en songe. Dans un songe, on n'est pas sous le contrôle de la volonté. Dans un songe, on n'est pas sous le contrôle de la raison. Pendant qu'on dort, on ne peut empêcher un sentiment. On ne peut empêcher une pensée, une tendance, un fait de s'exprimer. Dans un songe, on n'est pas non plus en mesure de masquer son cœur, de dissimuler ce qui s'y trouve. Il y avait donc une pensée qui habitait Salomon. Une pensée qui imprégnait le cœur de Salomon. Une pensée qui le poursuivait, sans nul doute. Une pensée liée au fait d'être le roi et de pouvoir gouverner. Mais comment allait-il faire? Et cela le perturbait. Ce n'était pas une mince affaire. On peut être face à une montagne, devant un problème. Mais Dieu ne te laissera jamais seul tant que tu lui fais confiance. Le Seigneur fait des miracles à la frontière de nos faiblesses et se révèle comme il l'a fait également pour Salomon. Il lui est apparu en songe. Qu'a remarqué Dieu et qu'a-t-il vu? Premièrement, que Salomon l'aimait et l'Éternel en a tenu compte. Il en est de même de l'amour de Dieu envers toi. Et cet amour de Dieu envers toi devrait éveiller dans ton cœur de l'amour pour lui. Salomon était devant Dieu, avec un cœur non partagé. Comme moi, il se préparait à servir Dieu. Il avait ce désir. Comme il avait besoin de Dieu pour régner, alors il met en évidence au verset 7 le sentiment de son ignorance, de son incapacité, de sa jeunesse. On peut comprendre maintenant pourquoi Dieu lui est apparu en songe. Car, sixièmement, il est devant Dieu. Il est devant le Seigneur. Et Dieu maintenant peut ainsi se manifester à lui. Dieu peut lui parler ouvertement.
Dieu peut lui faire ainsi une offre de grâce et lui dire « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon remplissait les conditions spirituelles pour être au bénéfice d'une telle offre. Salomon ainsi fait le choix de demander un cœur intelligent. Voilà sa réponse. « Demande ce que tu veux que je te donne, » dit le Seigneur. Et Salomon de répondre, « Je veux un cœur intelligent. » C'est un choix sage. C'est un choix éclairé. C'est un choix avisé. Septièmement, une demande que Dieu valide. Alléluia. Il fait le choix d'un cœur qui écoute, un cœur intelligent. Car écouter est la porte du discernement et de l'intelligence. C'est pourquoi le livre des Proverbes, dans Proverbes chapitre 8, verset 34, déclare « Heureux l'homme qui m'écoute. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. » C'est son choix. C'est ce que Salomon met en avant. C'est sa priorité. Il savait où placer les priorités. Salomon ne pouvait apprendre qu'en écoutant Dieu. Il était à l'écoute de Dieu. Tel a été aussi le chemin de Jésus-Christ lui-même comme homme. Quand Ésaïe déclare dans Ésaïe au chapitre 50, verset 4, « Le Seigneur m'a donné une langue exercée. » Oui, dans la version française courant, il est dit « Chaque matin, il éveille mon oreille. » Il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Il y a donc une récompense à écouter Dieu, car le Seigneur fait des miracles à la frontière de nos faiblesses. Le serviteur empressé a toujours une oreille ouverte pour le Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Alors quand tu pries, dis la parole. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent, un cœur prompt à écouter, un cœur prompt à entendre le conseil de Dieu, un cœur prompt à entendre les paroles du Seigneur. Le cœur écoute. Et quand il a reçu les leçons dont il a besoin, il devient sage, capable de discerner entre le bien et le mal. On apprend réellement à connaître les pensées de Dieu avec le cœur et non avec l'intelligence. Verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Oui, la paix et la joie se trouvent dans le Seigneur. Au verset 10, Salomon reçut une parole de Dieu. Salomon, sa demande a été validée. C'est pourquoi au verset 10, cette demande plut au Seigneur. C'est une demande qui satisfait le cœur de Dieu. Il reçut l'approbation de Dieu. Il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 3, verset 22 déclare, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Et l'Éternel va ajouter ce qu'il n'avait pas demandé. » C'est extraordinaire. Dieu tient compte de nos besoins et il sait bien comment nous combler. Il n'avait pas demandé des richesses, mais Dieu va lui accorder des richesses. Il y a bien des choses qu'il ne pensait pas, mais Dieu ainsi va le combler. Oui, il donne même au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. C'est ce que Jésus affirme également quand il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Oui, manger et boire sont des besoins légitimes dont le Seigneur pourvoit. Et Jésus affirme de ne pas s'en inquiéter. En effet, le règne de Dieu n'est pas le manger et le boire, la nourriture, les boissons. Il consiste en la justice, la paix, la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu.
C'est ça, vivre dans l'esprit du royaume. Les choses matérielles ne doivent pas être une source de tourment pour toi. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Le chrétien, donc, met en premier Dieu. Dieu dans sa vie. Dieu en premier. C'est sa priorité. Et la priorité des priorités, c'est Dieu. Alors, il recherche également les valeurs morales qui ont cours dans le royaume. Et ces valeurs morales sont l'expression de la justice de Dieu. Il en fait son objectif. Jésus appelle à les rechercher. Et Philippiens chapitre 4 nous exhorte à ne pas entretenir les soucis. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Matthieu, également chapitre 6, verset 34, nous appelle à ne pas nous inquiéter. Et Jésus dit au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. » Jésus ainsi manifeste sa bonté envers nous. Il a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est là, le Seigneur, et nous appelle à ne pas nous inquiéter. Demande ce que tu veux que je te donne. Dieu a-t-il une offre de grâce pour toi, pour moi, pour chacun de nous? Dieu peut-il combler ton cœur? Dieu peut-il réjouir ton cœur? C'est pourquoi Jésus dit lui-même dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera ». Dans Jean chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et au chapitre 15 du verset 7 de l'évangile de Jean, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Oui, Dieu a une offre également pour toi. Oui, il a fait encore plus. Car en donnant son Fils, toute la plénitude de ses richesses insondables est à notre portée. C'est pourquoi Jésus t'appelle à demander, à vivre sa parole et l'appliquer à la lettre. Oui, tu peux demander. Oui, Dieu peut t'accorder ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Désir. Alors, lorsqu'on prend l'exemple de Bartimée, ce pauvre aveugle, cela devrait aussi t'encourager, car si tu crois, tu verras sa gloire. L'aveugle Bartimée contraste avec Salomon. C'est un mendiant dépourvu de tout. Il n'a rien non plus de spirituel, mais un cœur pouvant croire sans avoir vu, un cœur réceptif, un cœur accessible. Et remarquez que Bartimée était aussi perdu, sans Dieu et sans espérance. Entre lui et Salomon, il y avait bien un fossé. Et remarquez, quand ce pauvre aveugle va crier à Jésus, il va ainsi se lever d'un bond, jeter son manteau et crier de toutes ses forces à Jésus, car il croyait en lui. Il va lui dire, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée reçoit comme Salomon également une offre de grâce, une offre exceptionnelle. Que veux-tu que je te fasse? Alors il répondit, que je recouvre la vue. Tout ce que son cœur pouvait désirer, ainsi se trouvait là à sa portée. C'est ce que toute âme perdue, consciente de sa
perdition, de sa pauvreté, découvre face à la grâce du Seigneur, devant une foi de cette qualité, le Seigneur opère le miracle de guérison et de salut. Il recouvre la vue et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Salomon reçut ce qu'il avait demandé. Bartimée reçut également ce qu'il avait demandé. Car Jésus dit, « Demandez et vous recevrez. » Les promesses du Seigneur sont faites pour être réclamées et pour s'accomplir dans l'expérience du croyant. Oui, le Seigneur est là, prêt à t'accorder ce que ton cœur désire. Oui, le Seigneur veut te bénir. Oui, le Seigneur veut combler ton cœur. Oui, le Seigneur cherche ainsi un cœur selon son cœur. Il cherche ainsi à te visiter. Il cherche ainsi à te bénir. Es-tu prêt pour recevoir sa bénédiction? Alors demande, demande, demandez et vous recevrez, dit le Seigneur. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu peux toutes choses. Tu peux combler ce matin chaque cœur. Nous donner même au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Bénis ce matin. Accorde à chacun ce qu'il te demande. Nous plaçons notre confiance en toi. Nous nous plaçons devant toi avec confiance, avec crainte et tremblement. Pardonne et réponds-nous. Comble-nous, visite-nous. Bénis, Seigneur. Guéris celui qui est malade ou celle qui souffre dans son corps. Au nom puissant de Jésus, que toute maladie soit vaincue en elle, au nom puissant de Jésus, et qu'elle retrouve sa santé. Nous crions à toi ce matin, comme l'a fait également Bartimée, avec ce cœur, un cœur disposé à recevoir tes grâces et tes bénédictions. Oui, Seigneur, visite ce cœur-là et bénis, qu'il y ait des miracles. Au nom puissant de Jésus, réponds aux attentes, réponds aux besoins les plus secrets. Oui, Seigneur, tu peux toutes choses. Exauce cette prière dans le nom puissant de Jésus. Amen.